Bonjour, bonsoir, dépendamment de à quelle heure on suivra émission par mise au point. Nous avons vraiment un plaisir pour nous capables ensemble matin, pour nous capables continuer à parler sur tout ça qui a dominé l'actualité. Aujourd'hui, là, nous allons parler sur la question diaspora haïtienne, intégration diaspora, puisque il y a un pile de débat qui fait sur la question ça, et surtout dans la question amendement, proposition par rapport à nouvel amendement constitution, et bien, il y a proposition commission fait dans ce sens ça, et bien, il y a diaspora lui-même qui voulait intégrer, nous capables de tout faire dans la vie nationale là, et bien, nous pourrons regarder tout ça avec et Anderson lui-même qui est avec nous aujourd'hui là. N'a dit bonjour, merci de ce que vous prenez l'invitation dans nos villas. Bonjour Monsieur Ruben, m'a profité de saluer toute fan inconditionnelle, si belle émission ça. Donc c'est son gros plateforme. C'est un plaisir pour moi et pour moi avec vous, pour nous parler de son sujet d'actualité. Nous avons dit un sujet même qui est urgent. Donc moi content avec vous matin. Anderson Dovilas, qui est-ce lié? Anderson Dovilas, son ami, son frère, son monde qui aime la vie, mais c'est un monde qui a une formation en linguistique, qui a une formation en psychologie dans la faculté de technologie. Moi, j'ai tout un master en International Community Development. Moi, c'est tout un écrivain poète de talent avec 10 publications, 4 en créole haïtien, 4 en français, 2 en anglais. Donc, moi, c'est un monde qui est très engagé dans la communauté moins. Donc, il y a un focus, moi, c'est délinquance juvénile. Et c'est ça qui fait que moi, c'est actuel président, il y a une structure qui est aux États-Unis, qui est au Canada, qui est en France, et que nous avons travaillé pour nous faire le lancement en Haïti, dans fin d'année, qui est le Global Union 1803 INC, donc qui sont groupes qui gagnent un objectif pour faire d'Haïti une cause à défendre. Nous prenons rentrer dans l'organisation, nous regardons tout ça dans l'émission. Donc, vous faites en Haïti, ou arrivez parti ou aller aux États-Unis. Effectivement. Dans quelle année vous partez? Moi, à partir depuis 2007, mais en 2011, moi, j'ai fait une expérience aux États-Unis. Et puis, moi, j'ai dit, bon, mais c'est, ouais, c'est capable. Réintégrer. En fait, il y a un rêve, moi, dans la vie, je me toujours dit, quel que soit côté du soleil, du terre, moi, je vais vivre, moi, je dois vivre. Donc, et puis, moi, je me dis que je vais essayer de faire l'autre expérience dans la vie, et je me dis que jusqu'à présent, moi, je ne regrette pas. Et ça parle pour ceux qui étaient pays à l'établir définitivement à l'étranger. Ça parle pour ces moi, c'est après l'élection de 2010, en fait, 2011, moi, je regarde pays. Donc, moi, je dis jeune et à venir. Politique, moi dit bon, allez, essayer aussi de peut-être apprendre de l'autre espace, apprendre dans l'autre structure. Parce que une réalité que le proverbe créole a gagné, c'est que l'homme tombe dans tout, en pile fois, c'est un monde qui dehors pour aller, pour balmer, pour sortir. Parce que, ou pas qu'à juge, est parti à la fois. Moi, je voulais faire l'autre expérience pour me dire que qui ça moi-même que je suis capable de porter en termes de potentialité pour contribuer dans un meilleur devenir de pays, moi qui suis Haïti. Est-ce que départ ou pas, il n'est pas rentré dans le registre, il y a un haïtien qui allait, qui dit, ah, dégoûté, pays ça, bon, tout quitter l'argent, mais je ne vais pas mettre d'accord. Ou bien, ou même, ou entrer dans l'autre registre, ou à l'apprendre à l'étranger pour venir des pays où. Effectivement. En fait, bon, je pense qu'il y a un avantage que nous gagnons aujourd'hui, hein, c'est qu'on ne vit plus en autarcie, qu'on connaît que chaque monde a vécu dans un petit coin par eux. Donc, nous avons une possibilité pour nous apprendre de l'autre, pour nous voyager. Et voyage en pile fois lit au vésio, si vous voyagez avec l'idée pour apprendre et puis pour capable partager ce gain comme connaissance. Donc moi j'ai quitté Haïti dans l'idée pour m'aller, pour m'apprendre, pour me comprendre et puis pour utiliser l'expérience pour me tourner, pour me partager avec le pays moi que moi vraiment aimé en pile. Vous avez écrit environ 10 livres sur quelle thématique? Alors, en tant que poète, moi, je suis un poète qui est très engagé, mais moi, j'ai. 10 livres, c'est poésie. Poésie. En fait, 9 poésies. Dernière, c'est un livre qui, c'est short story, ça aurait les récits. Donc, qui, moi, écrit le livre ça à partir de l'expérience, moi. Donc, moi, je travaille aux États-Unis comme un JPO, qui veut dire Juvenile Probation Officer. Donc, ça veut dire. Moi, je travaille avec tout le monde qui est dans la gang, tout le monde qui est dans la drogue. Et c'est ainsi que je peux découvrir que la communauté haïtienne a souffert aux États-Unis parce que presque toutes les statistiques montrent que sur presque 50 tout le monde noir qui est en prison, il y a au moins entre 20 et 25 qui sont d'origine haïtienne. Et pourtant, vers les années 80, sur chaque 50 tout le monde noir qui est en prison, il y a au moins 2 à 3 jusqu'à 4 qui étaient d'origine haïtienne. Donc ça veut dire que nous venons de dégringoler et c'est ainsi que moi je viens essayer garder différents aspects et puis moi écrit sur lui.
comme le monde était difficile pour lire, donc moi dit que je vais mettre des séries d'informations qui sont clés, qui sont importantes de mettre en dans l'histoire. Et c'est livre ça qui sort en anglais? Et oui, donc qui est le Paradise Place. Ok. Oui. Donc, qui sont capables de tirer dans le livre ça ou capables d'intéresser dans le livre ça? En fait, c'est un livre qui met toutes scènes qui sont importantes en fait, aux États-Unis que le monde cap le vent, le monde doit connaître. Par exemple, en Haïti, depuis que dit gang, nous avons une idée dans la tête de zone chaude, de ça nous les zones rouges, les zones de non-droit. Mm-hmm. Pourtant, aux États-Unis, c'est dans l'école que gang recrute les gens. Pour quelle raison? C'est parce que aux États-Unis, la loi juvénile protège les gens tout autant que les en bas 18 ans. Donc, les gens ne pas subi donc grand prison, il y a voué dans prison de Timoun. Maximum peine que au Bali, c'est en 21 jours. De prison juste pour capable réorienter, les réinsérer dans la société. Gang ça qui est très intelligent, il prend avantage de ça, il recrute Timoun ça et conseille de crimes, de actes qu'il fait Timoun, il fait pour lui. Mais le grand danger, c'est parce que aux États-Unis, c'est un pays qui a ça fait lui enregistrer et la suivre. Donc Timoun ça qui peut être malchanceux, qui est tombé dans le système ça et l'œil pral grandit, eh bien, lui pral vin gagner une quantité de dossiers qui déjà là pour lui, qui déjà existé et dossiers ça yo pral suivre lui après l'elfine. Donc, atteindre ça yo pral l'âge majeur ou du moins l'âge pénal et quelqu'un soit ça le fait, ça capable de suivre lui. Deuxième bagage, c'est réalité économique. Dans la famille haïtienne, yo, en fait, malheureusement, en pile n'a pas avancé intellectuellement. En plus, il y a tout quitté dans l'âge côté que c'est difficile pour bien apprendre l'anglais. Donc, ça vient une cause que le premier souci, c'est le travail, faire l'argent pour payer les billes, pour prendre soin de la famille. On ne peut pas avoir une période bien déterminée parce que nous avons un pays haïtien, leur parti. Il y a un bagage à faire, c'est à l'apprendre. Oui, c'est à l'apprendre. C'est aller à l'école d'abord. Mais malheureusement, la réalité, génération, ça a changé. Donc, leur parti, c'est à la recherche d'opportunités, travail pour prendre soin de la famille. Et ça qui peut occasionner que gagne des gens qui travaille matin, gagne des gens qui travaille dans la soirée, il n'y a pas de temps vraiment vrai pour superviser les gens. Et ça qui vient cause que les gens subissent une influence facile. Mais ça qui est danger dans ce que je dis là, c'est que 60% des gens qui sont en prison, c'est des gens qui à peine sortis d'Haïti. Donc, vous pouvez imaginer que où un petit monde qui est tombé dans la gang, qui est tombé dans la délinquance juvénile, qui ne parle même pas l'anglais, qui peut me comprendre pour qu'ils ont arrêté. Qui peut me comprendre bracelet pour le mettre dans un pied là, qui sa probation n'a pas dit. Et parfois, les pour le mener dans la cour, dans le tribunal, ils n'ont pas même bien assez de compétences pour comprendre donc jugement. Donc ça vient de cause que les vins tournés ont l'autre véritable casse-tête chinois. Donc de ce fait, nous venons réaliser que un petit monde qui quittait Haïti, les rentrer aux États-Unis, peut-être que c'est ces gens que parents ont bien pensé en Haïti, ils ont pas réaliser que bien bagarre pas un Eldorado vrai. Et ces gens qui malheureusement qui fait folie pour un paquet de bagarre et c'est là monsieur qui a recruté yo et c'est là yo prend avantage de recruter ces gens. Donc c'est un livre qui une série de histoire mais qui basé sous bagarre qui fait tout bon. Donc par exemple abus sexuel domestique. Et un phénomène que j'ai découvert tout, c'est que j'ai découvert près de 3 à 4% de timoun qui sentit rejet. Par exemple, il y a un parent qui fait 3 timoun, 2 fait aux États-Unis. Timoun que le rentrée de Haïtien, il a tendance à faire timoun, ça a tourné esclave, timoun que le fait. Qui fait aux États-Unis. Exactement. Mm-hmm. Donc il dit, bon, timoun, ça, c'est sous terre le fait, il vient tout doit aller. Li ka fait ça l'œil de le dire. Donc qui pral venir cause que l'autre timon a senti que gon rejet et bien li obligé faire l'autre bagaille pour que j'en la joine attention qui j'en la joine groupe zamin. Et puis dernière catégorie c'est structure éducation. J'ai nous formé à Haïti pas même gens avec aux États-Unis. 10 000 pour nous c'est presque 100. Donc différence entre point à virgule. Même gens au bail grade aux États-Unis. En plus, fois, les parents ouais F, donc notre tête nous c'est fort. Pourtant F c'est failure, donc ça dit son petit monde qui pas bon du tout. Donc ça dit réalité hein,
li complexe. Donc, si moun sa pa gen minimum d'éducation pour comprendre que le pral rentrer dans le système, mais ça capte ni. Donc, li gen en pile chance pour le perdre, ti moun sa. Donc, ça dit, c'est tout travail ça que nous faisons, nous mettons sous forme ça. Et puis, gen bat ti moun tout. En Haïti, non ronflé, ti moun yo, j'en non voulais, mais aux États-Unis, ti moun yo gen des droits. Donc, ou pas qu'à abuser si un petit monde physiquement, ou pas qu'on doit abuser sexuellement. Et si pas mal lire les 911 pour vous, ou pas le venir un Child Protected Services qui après entrer ça aurait des travailleurs sociaux ici. Donc, ou capable même de perdre petit monde ça, l'État capable n'en met un. Et le pire, c'est que l'on perd petit monde non, ou capable de ça aurait your parental rights, qui c'est droit pour parents. Il y a deux parents qui ont toujours été quoi? Fouetter Timoun est vraiment efficace dans l'éducation de Timoun. Pourtant, à l'étranger, Timoun a des parents qui croient le fait qu'on ne peut pas parler Timoun pour rédiger et pour faire le game en ligne. Timoun a des fois quand même vint qu'on s'est un arrogant sous parents, qu'on calait les parents et autres. Alors, il faut quelqu'un dire que Nadab vit dans un air qui est totalement différent. Timoun est vraiment, vraiment désrespectant, pas respecté parents. Mais ça me dit que les parents haïtiens. Loi a parlé de abus. Si toutefois, ouvre les calais, tu m'ouvres assurer qu'on pas quitter Max sous Paul. Parce que si là dans l'école, il y a jeune Max sous Paul, l'école la carrelé Child Protected Services pour eux. Donc parfois lui-même, il n'a pas même besoin de faire ça même. Donc l'important pour nous discipliner. Et moi crois que c'est là. Donc parce qu'on dit depuis tout le temps, il est seulement dans un one et puis automatiquement la prison, il n'a pas besoin qu'on ait explication. Évidemment. Les préparants. Ah, oui. Mais oui, ça veut dire pas que son Max sous Paul là. Mais ça qui passe, en fait, c'est automatiquement, si on a déclaré abus, donc, ou coupable. Donc, c'est la justice. Donc, Paul Timouna, oui, gagne plus de valeur que Paul Grand Mouna. Non, mais c'est pas gagne plus de valeur, mais le rôle de la police, c'est arrêter. C'est pas pour le justifier. Maintenant, c'est enquête. Comment on est ça? C'est les gens qui ont fait enquête. C'est eux-mêmes qui peuvent évaluer la déclaration de Timoun. Mais les policiers automatiquement arrivent, ils ont mon bras. Ça, c'est le principe de base. Là. Mais maintenant, ils n'ont pas dit qu'on ne doit pas discipliner petit. Ou il y a plusieurs façons. Et je crois que c'est la différence entre discipliner. Donc, Timoun a ronflé, battu, a abusé. Donc, l'arrivée des parents, Timoun a tout dernier modèle tennis, tout dernier modèle téléphone. Si mon avis tout ça le besoin. Gen parents que me connaît qui pas même qu'a acheté un bon soulier mettre dans pied mais si mon yo gen tout bagaille. Donc yo a pas acheté l'amour ti mon. Pourtant on ti mon tous ces moments que pour parents bâti en relation avec petit li. Ces moments pour mettre dans tête petit tout ça gagner comme culture. Moi gon matat moi et puis l'homme fait qu'entrer moi suivre Jean petit li pas parler avec lui. Moi l'ai dit un petit bam donc gagne bagaille. On dit d'ailleurs c'est États-Unis en dedans là c'est Haïti. Donc Haïti nous respecte grand monde, Haïti ne pas respecter grand monde, Haïti ne pas frapper pied sur grand monde. On dit et moi garanti non seulement ma tête moi à calo ma boîte téléphone pour faire 911. Et là fin fait m'a montre que côté on va le mener non là de qui les foster parents, monde que on va le porter, monde que on va le mener en balien qui pas aucun attachement émotionnel avec ou le ça pour la vie. Quelle façon pour faire si monde comprendre que ou pour lui ou, donc ça veut dire ou pire même que quelqu'un soit ça l'état qui a offert comme option mais faut faire travail ça donc et une des plus gros dangers que gagne c'est que si mon génération ça est très émotionnel nous même pas haïtiens non nous pas montré affection non pas dire si mon dans le bel non pas dire li intelligent non pas dire nous remet li non nous pas montré que li important pour nous. Mais dès qu'on note qu'on combat dans culture non les on ti moun piti ou a dit bel moun ne kon pa vle ou di ou a joke ti moun non. Waouh, pas comme ça. Oui, il dit ou a joke ti moun non. Waouh. En fait, mais en réalité gain ça relé am self esteem qui c'est estime de soi, li important pour aider ti moun ça depuis petit à bâtir. Et ben pour bâtir li quelque chose ça ou dit ti moun non en tant que parent quoi. Moi-même moi son exemple vivant me songe que leur parent leur maman moi c'était qu'on a pris ça moi écrit il était toujours dit qu'auto copier bagage ça et puis c'est un jour maman me dit c'est vous même qui écrit bagage ça vrai et ben où sont poètes le jour il dit ça
c'est un coup un déclic qui fait en moi, effectivement, je me sens un poète, je me sens un gros bagage parce que maman me dit que je suis un gros bagage. Donc, si donc parents ont un pouvoir pour lui créer ce monde pour le faire le monde que le tarimé lié. Ok, donc est-ce que le livre ça, vous pensez faire une traduction dans la langue créole, dans la langue française, pour permettre que le public qui ne connaît pas l'anglais soit capable de connaître qui ça qui est dans le livre, capable de monde qui peut aller aux États-Unis. Effectivement, donc ça sont très, très, très belles questions. Donc c'est le titre du livre, c'est Paradise Place, en créole, qui c'est Paradis sous terre. Moi, je commence à traduire. En fait, il y a une spécialité, c'est traduction à interprétation, à transcription. Donc, moi, je commence à travailler sur lui. Mais on connaît, il y a une plus grosse difficulté en tant qu'on écrivain, c'est traduire propre œuvre. Donc, en plus de fois, on a l'impression que vous écrit on l'autre œuvre pendant que vous traduit œuvre. Donc, ça, c'est notre réalité. Même capable de dire que son travail est extraordinaire. Donc, en pile parents, et donc, pas de payer attention de bagages à eux, mais on commence à réaliser que combien il est important. Pour pas seulement bailler, si on a mangé, boire, acheter un bagage de luxe, donc, mais il faut qu'on gagne en relation qu'on bâtit avec Timounou, et spécialement dans notre monde de distraction. Timounou a un téléphone qui a distrait, il a une télévision qui a distrait, il a une école qui a, en fait, qui sont véritables, on a dit, il y a un moteur qui est capable de désorienter Timounou facile, parce que, moi, je fais point ça pour le monde qui a suivi moi. J'ai l'école aux États-Unis, si on nous parle l'école par rapport à zone d'autorité. Zone d'autorité, hein, li par rapport à la quantité de que vous avez fait. Donc, li lié avec crédit. Ou. Donc, si son monde qui pas fait gros l'argent, bon l'argent, vous avez tendance pour être dans une zone qui de basse scalarité. Donc, ça veut dire low income. Lorsqu'on est dans une zone, eh bien, Timounou, c'est l'alvralé. Donc, fréquentation, Timounou, on va le faire. Donc, il y a une chance que le faire des mauvaises fréquentations. Donc, et c'est ça qui fait que moi, toujours, prends le soin pour me rappeler par an, combien il est important pour qu'on ait choisi pour faire investigation sur la qualité de l'école, zone à gagner. Ça va permettre que Timounou fait moins, en fait. Je ne parle pas de faire non, mais faire moins de mauvaises fréquentations que possible. Mais je dis l'entour, dépendamment de revenus et crédits par an. Oui, certainement. Oui. Ça, est-ce que c'est expérience ça, libre ça que vous écrivez, qui peut pousser ou créer organisation ça? Alors, organisation ça créée avant moi, c'est un groupe professionnel, c'est une pigeonnière. Donc, moi rencontré avec une en Disney World, c'est pasteur, avocat, docteur, son équipe professionnelle qui réalisait que, eh bien, Haïtiens réussissent aux États-Unis individuellement, mais nous étions la plus petite communauté. Collectivement, Haïtiens sont très faibles. Et on peut voir que, y a un exemple simple, Florida, c'est un côté qui gagne plus Haïtiens. Jusqu'à présent, politiquement, nous n'avons pas qu'à bailler un sénateur qui allait à Washington. Donc, et même dans la période élection, c'est dit communauté haïtienne, c'est communauté qui recevoir moins d'investissement. Donc, monsieur Ovin dit que yo voulait collecter des penseurs, monde qui prend le focus sur solution et non pas à le problème, monde qui prend passer tout le temps yo à faire diagnostic problème. Donc, l'homme de rencontrer yo et yo te fait appel à moi. Donc, yo te dit que yo t'a ramené que moins intégré. Yo me dit bon, quel que soit bagage qu'on dit Haïti. DDPC pour la bonne cause là-dedans. C'est ainsi que moi intégré yo, moi travaille avec yo sans prendre souffle. Moi, c'est mon tempérament qui fait deux bagages dans la vie. Ça me remet, ça me carrément. Donc, pas rien que me carrément, pas rien que me pas carrément. Me fait ça me remet et me remet ça me fait. Donc, nous réfléchissons sur situation haïtienne qui vivent à l'étranger ou situation haïtienne qui vivent en Haïti. Alors les deux. Donc il y a une bagaille que nous pouvons réaliser. Nous pouvons voir que la diaspora, c'est en force, mais les plus, donc, non pas injecté dans le budget d'investissement pays. Et 2 milliards de dollars que la diaspora voyait rentrer sous forme de transfert. Mais la diaspora gagne plus que le cas offert. Donc, la diaspora a offert expertise, expérience. Par exemple, il y a une faiblesse que Haïti gagne sous forme institution,
C'est ça, les customer service. Ça, les services à la clientèle. Service à la clientèle, c'est une clé pour business. Malheureusement, lorsqu'on rentre ici, les gens n'ont pas la voix, c'est un bagage terrible. Ou à un restaurant, et au moins, on a une bonne foi, on a une bonne foi, et le dessous, on va arrêter côté. Donc, ça dit, concept fait client dépenser plus là. Aux États-Unis, ou quand on rentre en côté, ou tu as une bonne foi, il y a une bonne foi, non seulement on finit de manger une bonne foi, le bonne foi à fois apparaît, il faut acheter son parent de compte. Donc, c'est capacité donc pour mon un service à la clientèle qui opère qui de haute qualité ou sa ticket moun sa lire même li intérêt sont pas réalisés que moun sa c'est comme la va faire avec vous donc gagner question investissement je dis si moun voulait ouvrir un business aux États-Unis n'a moins que 60 secondes non ou vérifier non ou payer business ou déjà enregistré en Haïti son véritable casse-tête chinois mais on connaît constat ça ou fait à... Il est aussi valable. Il y a deux diasporas qui viennent investir en Haïti et puis servir à la clientèle dans le business. Pas bon? Non, mais c'est même ça qui passe. Ce n'est pas investissement, ce n'est pas business, non, mais c'est formation milieu. Si on entend pas formation milieu, c'est parce culture. Que les gens qui mettent le business là, qui présentent le business, qui gèrent le business là, sont les gens qui sont dans la diaspora mais qui viennent investir en Haïti qui viennent business. Pas. Oui. Et pour servir à la clientèle, il y a, pendant l'apprendre bien. À l'étranger, il fait le mal en Haïti. Alors, par rapport à dit que le bien apprendre tout. Ça veut dire que ça dépend de qui est, vous comprenez, collectivement. Parce que, il y a des choses qui sont en réalité. Mon nom est donc milieu que où évolue à l'IFAMP et l'influence. Et il y a des gens qui vivent aux États-Unis qui étaient haïtiens, dans le sens que la mentalité qui est négative là, c'est lié au Kembe, c'est lié au attaché. Donc, et on parle que gagner de monde, même s'il était bon désordre Haïti, qu'on arrive aux États-Unis, qu'on descende à l'avion, les changer complètement. Gagner de monde qui a sorti aux États-Unis, qu'on arrive dans l'aéroport là, automatiquement, l'idée du bon, là c'est Haïti, bien bon pour former Haïti. Donc, c'est ça qui fait me parler d'une collaboration institutionnelle, côté que nous parlons gagner des professionnels qui sont capables de dire maintenant que ces pays, maintenant, il y a un minimum que vous attendez de moi, mais même attendez même minimum ça de vous. Donc, côté de vous, comment c'est là, droit pas me finir. Et maintenant, lors de la perspective business, objectif business, c'est un grand bagage, c'est rentrer l'argent. Donc, il faut être capable de faire, il faut raffiner ces services au maximum pour capable rentrer l'argent. Et service à la clientèle, c'est un énorme point clé. Deuxièmement, il y a une transparence administrative. L'État haïtien, c'est un État qui n'est pas transparent du tout. Ou rentrer dans l'office pour le payer, ou payer un bagage 1000 gouttes, il y a un reçu de 30-35 gouttes. Mais ça qui passe, c'est parce que l'État n'a pas quelqu'un côté que service liant, prix tarif liant exposé. Bien avant d'arriver, je déjà connais que, mais ça me va le payer, donc tarif liant expliqué et exposé. Il y a un plus gros problème de diaspora, c'est douane. Lorsqu'il vient dans la douane pour des douanes anti-machines, ou du moins en marchandises, il faut qu'on boucle pour suivre lui. Donc, tout côté le fait, donc ça veut dire, il prend le fort payer sur les gens le garder, aux gens habillés, si vent au goût, filles, goût, frais. Donc, ça veut dire, pas gagner. Donc, nous pas standardiser opération administrative. Donc, ça veut dire, tout ça, c'est côté que compétences diaspora capable utile pays. Hein. Moi, je connais plusieurs monde qui gagnent. Entreprise qui est dans l'éthique, donc les gens sont capables de faire l'état de service. Et en plus, c'est des gens qui sont des retraités qui paraissent pour même faire volontariat pour l'État haïtien. Je vais retourner sur un exemple qu'on prend tout à l'heure. Côté que vous dites, les haïtiens, ils arrivent à leur bord conformé par rapport au système. Là. Si vous cherchez, vous ne pouvez pas jeter là parce que vous connaissez la guerre, il y a pratique et arrêté. Exactement. Mais quand vous venez en Haïti, vous descendez en avion, vous allez rapidement la guerre sachée dans la rue. Exactement. Mais pour que ça, on réfléchit entre le système là et l'individu. Pour que sa diaspora ne commence pas lui-même, au lieu que l'intégrer le système là, les performe le système là, les deux préférences contribuer pour changer le système là. Donc, puisque les connaît, j'étais fait dans la rue, il n'y a pas fait d'États-Unis, pour ça, pas commencer toujours le comportement ça, même en Haïti, et le fait que lui-même, plusieurs autres, on a le même comportement ça, eh bien, l'individu a fini par influencer le système au lieu du système qui a influencé l'individu. Alors, vous dites vrai, parce que un système sont entités fictives. Qui n'a pas gagné encore physique.
Donc, automatiquement, il incarne dans le suivre tout le passé. Moi, qu'on a ici jusqu'à présent, il y a bail contravention parce qu'il y a pipi là, parce qu'il y a pipi dans la rue aux États-Unis. Si toutefois, si toutefois parti, mandé pour maintenant visiter Little Haiti. Puis font garder. Font garder gens nous fait partir dans la rue Monio. Jean nous bien avec graisse. Font garder quantité de contravention chaque jour à ban. Donc, faut pas oublier que niveau éducation rentrer dans le fonctionnement de monde, sont qu'à comprendre, sont gagner en termes de minimum. Et c'est ça qui va le faire que donc, nous non plus parler de réorientation. Parce que, bon l'âge que les gens arrivent, ils sentent réussi, ils sentent arrogant, ou pas qu'à dire qu'on fait ça, fait ça. Donc, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir un système pour réorienter, pour montrer que par rapport à mon lié, eh bien, s'il fait ça, il a plus bon pour lui. Et la plus bonne pour l'image. Et c'est là que moi j'aime la philosophie globale union qui c'est faire d'Haïti une cause à défendre. C'est quelqu'un soit mounouillant, c'est ouais ou comme un défenseur d'Haïti, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger. Parce que nous pas grandi avec une connaissance de connaître qui ça nous est en tant qu'Haïtien. De reconnaître qui ça Haïti veut dire pour nous. Donc de reconnaître que Haïti, c'est d'abord un espace géographique, mais son espace immatériel que nous avons porté, quelque soit à côté de nous passer. Donc nous n'avons pas grandi avec connaissance de réalité ça, et ça prend la cause qu'en pile fois, nous n'avons pas compris que nous avons fait des bagailles qui ont détruit Haïti, pour nous avons détruit propre tête. Okay. Global Union 1803, pour qui ça 1803? D'ailleurs, nous n'avons pas créé en 1803. Oui, ça, c'est une belle question. Effectivement. Alors, Yuna wa que moi ramène Napoléon Ier porte ce que n'était battu en attaque haïtien. Il dit qui ne connaît pas son histoire est condamné à le revivre. Yuna réalité c'est que peuple haïtien nous avons une crise identitaire très grave. En pile fois ou pas même qu'on côté pour ta commencer avec haïtien. Mais cependant tout haïtien gon seule fierté 1804. Tout haïtien fier de ce que nous sommes le premier peuple qui est libéré. Donc, nous, c'est une génération fierté nous marier dans le passé. Nous. Donc, M. Ovin dit que le fait que ça est capable y un point de départ et la révolution haïtienne de 1803, c'est l'une des plus grandes révolutions, l'une des plus belles et qui peut influencer la première, deuxième révolution industrielle. Donc, nous avons dit que si nous partons sur base ça, nous avons raison pour montrer aux Haïtiens que donc, si nous avons deux mondes qui n'ont pas accès à téléphone, qui n'ont pas accès à technologie, qui n'ont pas accès à avion pour voyager, si nous avons réalisé ça, eh bien, si nous copions sur l'esprit, eh il est possible pour nous réaliser un gros bagage. Donc c'est là donc, l'idée de 1803 sorti. Plus sur son linguiste, je me pose une question. Qui est le cas de la diaspora? En fait, bon, bon même. Moi toujours pas aimé thème diaspora. Thème diaspora, moi pas inventé li. Donc si vous attribuez li à moi, donc m'pa ka courir derrière li, mais en tant que linguiste, yon mot li incarné sur une frise chronologique. Ça veut dire que moi ka évolué, définition moi tout ka évolué à travers le temps. Je dis pour moi yon diaspora pas seulement yon monde qui quitte pays mais yon diaspora son monde qui non seulement quitte pays mais qui intègre communauté donc pays là le rivier côté rivière et yon nan bagay que moi remet à définition ça c'est que automatiquement ou gon conscience diaspora ou pral venir défenseur d'Haïti. Je dis yon nan pi gros promoteur que Haïti gagne dans le monde c'est la diaspora parce que là ou vet télé international yon pas gagne rien de bon yab di d'Haïti. C'est à travers colloque diaspora qui a vu Haïti bien. C'est à travers festivités culturelles, fêtes et fêtes drapeaux. Moi, même le 18 mai, pour même monde qui n'est pas haïtien, donc drapeau Haïti le souli. Et ouais, récemment, donc président américain font déclaration d'Haïti, en fait, sur Haïti, et qui va interpeller conscience un paquet de monde qui n'est pas Haïti, qui va redécouvrir Haïti. Donc, ça veut dire, diaspora, pour moi-même, lit pas seulement un concept, mais elles sont entités de qui ont entité d'espoir. Donc, ça dit, il y a une diaspora, son monde qui ont conscience qu'elle quitte le pays, mais elle quitte le pays pour le rendre pays le service, ni quitte le pays pour être capable de contribuer dans l'avenir pays.
Anderson lui-même, si fiatel de Haïti, soit vendre Haïti à mon qui gagne mauvaise information de Haïti, mauvaise nouvelle que vous recevez de Haïti, qui sont abdi? Il y a deux bagages que je dis toujours, tout le monde qui vend Haïti comme pays pauvre. Je toujours dis, la raison pour penser à Haïti comme c'est un pays pauvre, c'est l'image qu'on voit. Mais là, la caille, il y a une image tout. Moi, j'ai été dans Apopka, dans le quartier blanc, derrière mon quartier noir. Si les gens qui ont vécu, c'est pour les gens qui ont beau sale. Moi, je ne peux pas voir ça dans la télévision. Je ne peux pas voir ça sur Facebook. Je ne peux pas voir ça sur les réseaux sociaux. Parce que, ils ont essayé de contrôler l'image. Mais deuxième bagage, je prends une approche historique. Je dis toujours que Haïti, c'est un pays qui est toujours en guerre. Donc, c'est un pays qui est toujours en bataille avec le monde. Je dis toujours, en fait, et spécialement les Américains, je dis toujours que nous sommes le pays qui n'a pas gagné, mais qui constamment bat. Et pour moi justifier ça, donc, pour bien expliquer, pour que vous compreniez, on dit Haïti dans la guerre. Oui, dans la guerre. Là. Dans la guerre, c'est une guerre idéologique. Pas oublier que, si vous regardez l'évolution noire aux États-Unis, c'est les États-Unis qui fait me comprendre pour qu'ils ont fait Haïti à Haïti. Noir, pas bien vu. Noir, yo, pas une bonne place. Noir, yo, jusqu'à présent, en 2018, il a fait face avec raciste. Donc, Haïti, par rapport à l'histoire, nous, li fait que quelqu'un soit blanc qui raciste, quelqu'un soit blanc qui paraît mais noir, mettez-nous dans toutes noires dans la même catégorie. Et deuxièmement, guerre, ce n'est pas guerre d'âme, mais c'est guerre idéologique. Il y a une bataille que le monde qui n'est pas d'accord que noir prend extension et expansion fait. Il y a Kembe Haïti comme un exemple de mon pays qui a fait une grande révolution et regardez Haïti aujourd'hui, qui ça Haïti devenu. Communauté noire, donc qui développe, c'est ces communautés noires qui sous tutelle. Gardez la Martinique. Garder la Guadeloupe, qui c'est des départements d'outre-mer de la France. Ça veut dire, Haïti a un conditionnement international qui fait pour permettre que Haïti j'en lire. Je t'avais dit, exemple Martinique, comprend qui sous tutelle la France là. Oui. Est-ce que tu avais dit que tu as inspiré Haïti sous tutelle? Oh non, jamais. En fait, moi ma parce que tu pays soit développé parce que sous tutelle. Non. Moi, j'ai dit que ils ont utilisé pays ça yo pour montrer que il y a un pays dans les Caraïbes là qui pas fait ça Haïti fait. Je dis un qui gagne un mieux. C'est comme si Haïti vient tourner un échantillon de malheur. Et moi, toujours fait ça, fait défendre ça, montrer que une raison pour Haïti son échantillon de malheur, c'est par rapport à l'entité qui a exploité. Un exemple simple. Je dis un ambassade américaine qui est en Haïti, c'est la quatrième plus grande ambassade que américain gagne dans le monde entier. Nous sommes pays qui n'a pas gagné la roquette. Nous sommes un pays qui n'a pas de missiles sur le sol. Nous sommes un pays qui n'a pas de rien, qui est capable en fait, d'inciter le terrorisme. Donc, en fait, c'est un pays qui est paisible. D'ailleurs, malgré les gens qui ont insécurité la caille, nous sommes un pays dans le Caraïbe blanc qui a insécurité puis moins. Donc, je dis hein, c'est par rapport à l'image que les médias vendent d'Haïti. En fait, je parle de médias internationaux. Et les gens qui comptent sur les médias pour comprendre Haïti. Et c'est ça qui fait que chaque Haïtien, je dis, est obligé de rééduquer tête dans l'image de vendre d'Haïti sur les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux ont une possibilité pour moi apprendre d'Haïti. Moi-même, je vais rentrer à Haïti avec un groupe de monde, m'assurer que je montre Haïti en l'autre façon, je vends Haïti en l'autre façon, je présente Haïti en l'autre façon pour eux. Le Global Union 1803, il y a une bataille dans la question de l'école juvénile. Exactement, mais aussi dans l'investissement. Je dis par ailleurs qu'il y a un pays qui a avancé sous pas gagner des investisseurs potentiels. Investisseurs, il faut quoi pour choisir investisseurs en fonction de ce qu'il a offert, en fonction de main-d'œuvre, taxation et procédure. Malheureusement, jusqu'à présent, l'État haïtien ne pas comprendre ça. Pas comprendre que nous avons compétition avec le même pays qui est près de nous. Et une des gros mal que nous faisons à Haïti, c'est à travers la diplomatie. Le nouveau y est des séries de mon aller représenter le pays à l'étranger, on a l'impression que nous voyons des gens qui sont pas soucieux d'Haïti. Et nous voyons des gens qui peut-être qui sont formés pour Haïti, mais qui ne sont pas formés pour côté nouveau. Par exemple, moi j'ai un ami consul, et puis nous avons fait un partenariat avec Disney World. Et puis je suis allé dans une réunion, j'ai fait tout un étalage.
Un, monsieur ne parle pas l'anglais bien. Deux, monsieur ne parle pas les langages que diplomatie parle en anglais. Mais trois, il y a tout étalage que l'a fait, que ne pas comprendre que l'île est un pays qui est rapide. Donc, blanc dit, time is money, money is time. Il faut qu'on concis, précis, pour dire ça, va dire. Donc, je pense que l'État haïtien a besoin d'une meilleure collaboration avec la diaspora pour identifier des talents, pour identifier des compétences et faire un partenariat sérieux. Donc, pour permettre que le pays soit capable de canaliser ça que la diaspora est capable de porter en termes de compétences et d'opportunités pour Haïti. L'organisation, il y a des investissements qu'elle fait déjà en Haïti ou bien il y a des prévois faits? Il y a des prévois faits. Dans quelle sphère d'intervention, dans quel champ? Il y a un champ qui actuellement là, qui très intéressé nous, c'est la transformation. Et il y a une transformation à deux niveaux, c'est agriculture et déchets. Déchets toxiques. En principe, on ne connaît pas que Fatra, Fatra fait gaz propane. Fatra fait par la pays hygiénique, donc Fatra a un paquet de bagages que le café. Donc c'est tout simplement payant pour ouvrir by structure, by groupe monde qui est capable donc, pour faire connexion. Alors il faut dire que nous travaillons sur Haiti Investment Week, c'est pour un week-end côté que nous allons râler investisseurs, nous allons râler les représentants de l'État tout pour venir dire mon et pour qui raison ils sont casse-tête chinois comme ça pour un monde ouvert en entreprise à Haïti. Et qu'a fait dans le mois de décembre? Non, là ça peut être fait en février prochain. Ok. Oui. D'accord. Est-ce que il y a des démarches que nous entreprenons déjà dans le sens que, par exemple, nous prévoyons, nous sommes capables d'investir dans la question de la transformation des déchets? Oui. Est-ce que il y a des démarches que nous faisons déjà, soit auprès de certaines municipalités ou d'autres entités dans l'État? Alors, actuellement, là, nous en processus pour nous enregistrer légalement et site pour nous faire par la couille. Ce qui est bon avec l'organisation, c'est que trois camions ne sont pas ici. Donc, c'est des Indiens. Pour ça, dit, ça fait le bon. Mais parce que trois camions pas ici. Mais ça fait le bon. C'est des gens qui convertissent en haïtien. Faire d'Haïti une cause à défendre son concept qui gagne comme idée pour convertir les gens en haïtien, quelle que soit la nationalité. Mais ce risque-là, pas que les gens ne doivent pas vraiment s'en réalité haïtienne. Non, mais t'entendez, c'est non besoin pour investir. Donc le côté sentimental et émotionnel, ça n'est pas l'année, c'est l'argent qu'on a besoin. Okay. Ce qu'on a besoin, nous avons besoin pour le développer, c'est-à-dire qu'il faut attirer les gens qui sont en main. Donc, et automatiquement, nous finissons l'évangile, nous finissons. Donc, et vous dites qu'on est prêt pour investir. Mon chaîne de welcome. Même si vous voulez, même si vous avez dit qu'on parle de Haïti, mais si l'argent rien de Haïti, c'est comme si c'est dans la dimension sanitaire. Quitter le côté sentimental et émotionnel pour nous business, pour nous qui sont capables d'orienter les pays vers l'administration. Investissement que nous pouvons faire, c'est plein poche ou bien investissement de développement? En fait, c'est souvenir avec un investisseur qui investit jeudi en un déchet. Mais pas mettre l'argent dans le pour ne pas faire quoi. Non, mais ça dit, on est dans le capital ou investir pour rentrer. Comprends? Et le développement dans tout ça. Non, mais en fait, pas qu'à Bambo, on exemple court et rapide. On t'a dit, ou bien on compagnie de transformation de déchets qui Haïti, jodi à là, qui a transformé tous les déchets toxiques et puis qui va l'utiliser sous bagay qui est utilisable pour revendre. Automatiquement, c'est opportunité, c'est développement. Et il y a une chance que nous sommes capables de gagner, que nous devons gagner, c'est canaliser nos investisseurs. Et ce n'est pas eux qui viennent dire nous qui ça pour nous faire, ce n'est pas eux qui viennent dire nous qui ça développement, mais c'est nous qui viennent dire que, eh bien, mon patron que nous avons pour faire business. Et automatiquement, que nous avons établi la faire business, la sponsoriser, la faire un paquet d'activités, la encourager. Le développement, mais le développement, qu'un investisseur par vient faire des développements là à Kayo. C'est l'État qui a un souci pour le faire développement, donc qui orienter le monde qui fait. Qu'est-ce que tu as en Haïti, si tu as des gens qui t'intéressent? Ah, moi, en Haïti, moi, oublié le numéro, mais. Nous n'avons pas de local pour le moment en Haïti. Non, nous en cours d'enregistrement, mais nous avons deux représentants Haïti qui c'est. Lionel Edouard, moi quoi qui boit ici en tout, et puis nous notre CEO en Haïti qui c'est Eric Fouché. Moi-même personnellement, moi disponible en ligne sur Facebook, Dovilas Anderson, ou qu'à écrire n'importe qui le, m'a répondu n'importe lequel disponible.
Délinquance juvénile, non pas bon, ici en Haïti. Est-ce qu'on a abordé des problèmes? Parce que nous, plus parler de délinquance Ah, oui. juvénile aux États-Unis. Lorsqu'on fait des analyses en Haïti, des enquêtes en Haïti, et comment on a pris ce problème? Alors, nous avons deux directeurs qui sont un directeur de jeunesse avec un directeur médical qui est intéressé avec donc, non seulement délinquance, mais processus d'incarcération. Et nous avons un jeune membre qui a vécu à Haïti qui lui-même a travaillé sur un processus pour garder est-ce que droit ne n'est pas violé spécialement les yo donc mettez-vous dans une prison tant que vous êtes jugé, etc. C'est un plaisir de vous recevoir, Anderson de Velas. Merci infiniment, c'est moi pour dire merci. Voilà, amis téléspectateurs, nous avons recevoir Anderson Ando Velas, lui-même par rapport avec l'organisation qui a gagné, il a gagné pour être capable d'investir en Haïti et travailler dans la question de l'éducation juvénile. Avec lui, nous avons gardé la question de diaspora, intégration de diaspora dans la vie haïtienne. Et bien, ça avec lui, nous avons gardé toutes les questions. Merci pour fidélité. Attention, si vous regardez nous en direct, nous souhaitons passer une bonne journée. C'est dans l'après-midi, dans la rediffusion. Nous souhaitons bon après-midi. À la prochaine.